la J'avais un accompagnement ce matin. Oui, j'ai accompagné une couple chez assistance sociale pour le problème de logement. Qu'est-ce que l'assistance sociale vous a proposé à la famille? Comme la dame, elle parle pas le français, d'abord, il faut qu'elle aille au cours d'alphabétisation. Bon, le premier jour, mon mari a appris une journée, c'est normal qu'il aille me chercher à l'aéroport. Il est resté toute la journée avec moi. Il m'a expliqué les travaux quotidiens de la maison, où se trouvait la gazinière, comment on prenait le téléphone, quand ça la sonnerie sonnait, comment il fallait répondre à l'interphone et tout. Et malheureusement, le deuxième jour, il devait aller au travail. Dès que j'attendais un bruit, j'avais peur. Parce qu'en Afrique, on entend là-bas qu'en France, il faut faire attention, il faut pas, les gens sont dangereux, il ne faut pas ouvrir n'importe qui. J'étais heureuse parce que j'étais à côté de mon mari. Mais j'étais aussi d'une part malheureuse parce que je commençais à réfléchir et à penser à ma famille. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Qu'est-ce que je vais devenir toute seule ici enfermée dans une maison? On traverse? Hein? Doucement. Passez. Tout immigré souffre d'être seul. C'est l'isolement qui nous préoccupe et qui nous fatigue beaucoup, aussi bien les hommes que les femmes. Là-bas, c'est le village, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, on vit en communauté. Fais-moi ton film, c'est l'association. Hein? J'amenais mes enfants à l'école, j'allais au marché, je rencontrais beaucoup de femmes qui étaient comme moi, qui avaient envie de parler, et je sentais qu'elles avaient besoin d'aide. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire quelque chose pour ces femmes-là. Nous, ce que nous conseillons déjà aux femmes dès qu'elles arrivent, c'est d'aller déjà au cours d'alphabétisation, s'alphabétiser. C'est de chez vous. Hein? Vous voyez, si vous pouvez toute seule lire votre courrier, ça sera formidable. Hein? Si vous pouvez aller toute seule faire vos démarches, ça sera formidable. Nous, notre rôle, c'est de les aider, de les accompagner, mais c'est surtout de les rendre autonomes. On ne veut pas les assister toute leur vie. Ça va, ouais? Tu vas bien? Ça va bien? Nyaké, c'est Nyaké. C'est ma femme, ça là. Il va accompagner nous là, il va aider nous. On n'a pas la même culture. Parce qu'en Afrique, quand un enfant parle à une personne adulte, l'enfant n'a pas le droit de répondre. Il n'a pas le droit de regarder la personne en face. Les professeurs ou les enseignants ne comprennent pas ça. Ils disent que l'enfant était incorrect parce qu'ici, quand vous parlez à un enfant, il doit vous regarder dans les yeux et il doit répondre. Et chez nous, c'est le contraire. On dit surtout ne réponds pas, surtout il faut baisser les yeux. Ils vont à l'école, on leur demande autre chose, ils ne savent plus quoi faire. La culture immigrée est très 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 riche. Il ne faut pas nous imposer d'être comme vous ou de prendre seulement votre culture et lâcher notre culture. Et puis il faut prendre aussi tout ce qui est bon chez vous, il faut pouvoir aussi s'adapter. Je voulais parler avec vous un peu le problème de l'excision. Vous savez, c'est un problème qu'on a tous vécu. Parce que la loi, Elle dit qu'elle aussi, elle a laissé ça, elle ne fera pas ça à ses filles. Parce que comme la loi française, elle l'interdit, donc elle ne fera pas. Mais ce n'est pas bon pour la santé, on a arrêté. Notre rôle par rapport au quartier est très, 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 très important. On arrive à apaiser des problèmes, soit de voisinage, d'enfants qui se comportent mal et tout. Parce qu'un enfant, dès qu'il voit une femme relais, de toute façon, ce sont nos enfants. Hein?
Nous sommes leurs mères et ils nous connaissent tous et ils nous respectent. Salut, maman.